Bonjour à tout le monde, c'est moi Tonton, Tonton le Tonton de tous les enfants. Aujourd'hui là, je suis vraiment fâché et content en même temps. Je dis d'abord bonjour à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne ici, à ceux qui aiment la chaîne ici, à ceux qui m'aiment, ceux qui aiment les vidéos, ceux qui les partagent. En tout cas, merci beaucoup, merci, merci, merci. Aujourd'hui, je m'adresse directement à Nicky Menga et Fally Ipupa. Ça, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour, j'analyse pour l'aider là. Je suis comme un juge devant l'aider. Moi, je suis tonton. Et ce sont, il y a Mobo, tous ces mecs là. Je suis le tonton. Je me suis décidé de parler à ces deux personnes là. Nicky Menga, pourquoi tu protèges Fally Ipupa? Pourquoi tu protèges Fally Ipupa, Nicky Menga? Tu as donné à Fally Ipupa tout ce qu'il faut. Tu as donné à Fa, tu as donné les papiers, tu as donné le bonheur, tu as donné la joie, tu as donné l'amour à Fally Ipupa, tu as donné tout, tu as donné ta vie. Tu as donné ton enfance à Fally, ton adolescence là dédiée à Fally. Qu'est-ce que toi tu as réussi à contrepartie? Qu'est-ce que toi tu as réussi de Fally Ipupa? Fally Ipupa t'a donné les malheurs, les pleurs, les stress, des humiliations, des insultes. C'est ça ce que toi tu veux. Nicky Menga, il faut te réveiller. Ici, on ne dort pas. La vie que tu mènes, c'est une vie réelle, c'est de la réalité. Ce n'est pas une rêve. Il faut te réveiller. Assez, c'est assez. Mes chers amis, je suis en train de conduire. Si vous me voyez me taire, c'est parce que je dois contrôler aussi le trafic. J'ai besoin de ma vie. Alors, tellement que j'aime les enfants, j'aime Nicky, j'aime Fally, j'aime vous tous qui me regardez ici, je suis obligé de dire la vérité. Nicky Menga doit finir cette affaire ici. L'affaire ici a déjà eu un record inimaginable. Aujourd'hui, c'est le temps de mettre fin à ceci. C'est Nicky Menga qui doit finir ça maintenant. Là. C'est Nicky. Comme Fally n'est pas capable de finir ça, Fally n'est pas capable de finir cette affaire. Alors, c'est Nicky Menga là qui doit finir ça. Nicky, tu dois finir cette histoire. Tu dois porter Fally en justice. Toi, tu es une Française. Tu es une Française, grandie en France. Tu connais toutes les lois. Tu sais bien que c'est la loi de la France, là. Ça protège enfants. Et puis, femmes, garçons, c'est à la fin. Tu sais bien que c'est la loi européenne, la loi occidentale. Ça protège les enfants et les femmes, et les mamans. Toi là, tu es une femme, tu es une maman, tu as les enfants. Et on te fait subir des insultes. Et puis tu reçois ça. L'affaire ici, si c'était l'affaire de quelqu'un de Kisangani, ou bien déjà de Maniema, c'est déjà fini il y a longtemps. Si c'était Mouboa, avec les premiers, c'était les babouas de Kisangani, les Lokele de Kisangani, les Topoke, les Ngando de Kisangani, les Babouis de Kisangani. Bana Yangambi, tout, je vous dis. Affaire ici, ça pourrait déjà finir il y a longtemps. Puisque Ella, il te donne amour, il te donne tout. Si tu veux les faire pleurer, ils vont te faire pleurer 2 fois, même 10 fois plus que ça. Alors, Nicky Menga, tu es une Congolaise, tu es une Française. Prends tes responsabilités. Prends tes droits en main. Tu as droit à la joie. Tu as droit à la vie. Tu as droit au bonheur. Ce que Fally te donne là, ce n'est pas un bonheur. Ce que Fally te donne là, c'est malheur. Ce que Fally te fait souffrir, te fait vivre là, ce sont des catastrophes. Alors, tu dois te réveiller. La vie ici là, on la vit une seule fois. Pas 2 fois, pas 3 fois. On l'a vu une seule fois. Attention. Oh, attention. Ouais. On vit la vie ici une seule fois. Alors, si tu veux vivre, tu veux jouir du bonheur, tu dois te libérer.
Tu dois te libérer seul. Si tu veux vivre le bonheur, tu dois te libérer. Il n'y a pas deux choix. Il n'y a pas trois choix. Tu n'as aucun droit que de te libérer. Nous avons parlé. Nous avons parlé. Fali a parlé. Tout le monde a parlé. Toi aussi, tu t'es défendu. Maintenant, on n'a pas besoin d'une défense. On a besoin d'une libération. Tu ne dois pas te défendre maintenant. Tu dois te libérer. Et nous, on est derrière toi. On va te suivre. On va te protéger partout. Tu dois te libérer. Moi, je suis le tonton des affaires. Donc, tu dois te libérer. Les atrocités, on en a marre avec ça. On a besoin de valoriser une femme africaine. On a besoin de donner la valeur à une femme africaine, une femme émancipée, une femme moderne. Non, les gens, il y a des femmes là qui ne comprennent pas les combats. Nous sommes en train de défendre la valeur d'une femme, la valeur, les droits d'une femme. Il y a des femmes là, je l'ai dit, ils vont en payer un jour, ils vont subir les conséquences un jour. Prenez la date d'aujourd'hui, ils vont subir les effets de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Demeure là et va subir les conséquences un jour, Dieu le sait. Karine Mokos va subir, Marie-Laure va subir. Mais malheureusement, elles ne sont pas intelligentes aussi. Elles sont là pour l'argent, elles cherchent l'argent. Mais nous là, nous cherchons la joie, nous cherchons les droits, nous cherchons la justice. Mais ces gens-là cherchent l'argent sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que vous voyez, à chaque fois qu'ils passent sur les réseaux sociaux, ce sont des mensonges. Niki Menga, autant insulté, ils ont menti à ton nom. Mais toi, tu es française, tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas de papier. Tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas de papier. Niki Menga, réveille-toi. Quelqu'un comme Karine Mokonzi ne peut pas venir à côté de toi commencer à parler. Une petite fille, une pétasse du quartier comme des mères ne peut pas faire de ce qu'elle est en train de faire pour Vicky. Au sort, on dit Vicky, tu es la maman des affaires de Fally Poupa. La dame là ne pourrait même pas faire de telles choses. Si tu ne te réveilles pas, ils vont continuer. Donne des disciplines, donne du respect à toi-même. Tu peux finir ces choses dans 10 secondes. Tu amènes, tu portes Fally. Donc, tu les portes à justice. Et si il veut négocier avec toi, il doit parler à toutes ces fidèles-là, de passer à la télé et de demander pardon. Ces gens-là, ces petits bidons, ces petits gaous-là, ils doivent passer à la télé et demander pardon. Même plus de 10 émissions, faire des pardons. Mais si ce n'était qu'aux femmes de Kisangani, de Ozaïre, là, les choses s'est déjà passées. Je ne sais pas comment vous gérez les problèmes ici. Je ne sais pas comment, qui sont derrière, qui sont en train de te conseiller comme ça. Un cas de Bundes, il faut parler à Niki Menga. Affaire ici doit finir. Il doit porter plainte à ces messieurs-ci. Niki a subi que c'est tout ce qu'elle vit dans sa vie. Elle mange le matin, des insultes. Elle dîne, les insultes. Elle soupe. Des injures. Elle se réveille avec des humiliations. Elle passe la journée dans des stress. C'est ça la vie de l'Europe vraiment. D'autres viennent en Europe pour vivre une vie meilleure, un autre système de vivre. Mais elle là, depuis elle a rencontré Fally Poupa, ce ne sont que des plaies. Jusqu'à quand tu vas vivre une telle vie? Jusqu'à quand tu vas continuer à te rabaisser comme ça? Jusqu'à quand tu vas recevoir de telles atrocités? Jusqu'à quand? Chaque chose a un temps, chaque chose a une fin, chaque chose a un début et une fin. Aujourd'hui là, Niki Menga, tu dois finir ça. Tu dois finir ça là. Amener les messieurs là en justice avec des preuves. Il y a beaucoup de preuves sur les réseaux sociaux d'humiliation, d'insultes. Amener les messieurs aussi les quoi là. Bien que c'est Afa, le mari, le papa de tes affaires, ça ce n'est pas. Il n'est pas le seul être mari des affaires. Le papa des affaires. Il n'est pas le premier à avoir des affaires comme ça là. Amenez-le là-bas. Il n'est pas le seul musicien à avoir.
Si lui, il t'humilie, il a fini ta vie. Toi aussi, il faut finir sa vie. Il t'a humilié. Toi aussi, il faut l'humilier. Il t'a insulté. Toi, il faut insulter. C'est ça la vie moderne. Une femme moderne, c'est 50-50. La vie ici, c'est 50-50. Il te donne A, tu lui donnes A. Il te donne B, tu lui donnes B. On est où là? On est où là? Il faut te défendre. Il faut prendre charge de ce que tu es en train de faire. Niki Menga, tu es une dame, une très belle femme. Une dame qui a vraiment des affaires jolies. Tu as donné à ce monsieur-là des affaires que lui-même qui n'a jamais eu partout. Tu lui as donné des affaires trop intelligentes. D'autres là, c'est des bourriques même, je pense. Puisqu'on ne parle pas de on parle que de tes affaires avec les écoles. Alors, il faut prendre les choses en main. Tous les mémichiqués voilà, doivent passer à la télé, s'excuser. Et ils doivent quitter l'ossature de Fally pour passer. Fally, vraiment, si tu veux pardonner, ce sont des conditions. Fally doit chasser tous les mimiques dans son entourage, des demeures officiers dans son entourage, tous ceux qui sont à côté de Fally Poupa et qui ont fait des émissions contre toi là. Ils doivent quitter Fally pour que tu les pardonnes. Et puis il doit payer beaucoup, il doit s'acquitter beaucoup, il doit payer. Toi là, tu es très belle pour être insultée. Tu es trop jolie pour être insultée. Tu es une mousseau là, bien tapée, bien faite. Tu es des rondelles magnifiques, une beauté impeccable, des poitrines en tout cas très cool. Alors on ne peut pas blaguer avec toi. Toi, tu es une dame avec des majuscules. Je suis ton frère, je connais. Donc moi, je suis tonton. On doit te respecter. Fally doit payer. Tu dois finir ça là. Fally t'a donné quoi de bon pour que tu le protèges? Il t'a donné quoi de bon? C'est toi qui as donné, tu as donné ton corps. Tu as donné, tu as saigné pour lui là. Quand tu as poussé les affaires là, il y a des sacs qui a coulé à cause de lui. Et c'est lui qui... Ah, il faut pas protéger monsieur là. Il faut finir avec lui. Il faut finir avec lui. C'est moi le tonton qui parle. Il faut finir avec lui. Au moment où je vous parle, il faut finir avec lui. Il faut finir avec lui. Donc je suis presque au bout de là où je vais. Je vais de l'autre côté de l'océan. Je vais traverser un peu ici et puis je serai dans le coin où je vais. Alors mes chers amis, je suis à côté English Bay. Là c'est une plage ici vraiment très populaire ici. Mais je ne vais pas là-bas. Je vais quelque part où je vais me détendre avec les amis. Je vais rencontrer certains amis. On va passer un moment ensemble. Alors, merci pour visionner ma vidéo. Merci pour avoir été là. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne ici de Chronique Guinée TV. Niki Menga doit prendre les choses à main. Nous là, nous l'aimons, nous la soutenons. Mais c'est à elle de décider. C'est à elle de prendre les choses en main. Alors je vous aime trop, je vous aime trop, je vous aime trop. Merci pour ceux qui continuent à s'abonner à la chaîne ici. Merci à ceux qui partagent. Vous aurez toujours des vidéos très bientôt. Comme je l'ai toujours dit, vous serez toujours, toujours dans les bons. Okay, I'm playing Tablet Academy Music.
teens about cannabis? Visit drugfreekidscanada.org for more tools to help start the conversation. drugfreekidscanada.org. Warm spring and summer days are right around the corner. Start thinking about Daikin air conditioning to keep you cool. Ask some plumbing, heating, and air conditioning is a certified Daikin air conditioner dealer. For a limited time, receive up to $3,000 in rebates when you install a new air conditioning system, and financing is available. People are not going to be like a lot of people. Like see, like unless you play something. Free home estimate. Ashton and Daikin, keeping you cool this summer. Out here, it's getting better. There's going to be just a small hiccup here. Right lane blocked off. I don't know, maybe come at it from Royal instead.